11h, le grand rendez-vous est repeint avec Les Échos et News. Stéphane Dupont, Mathieu Bocoté, Sonia Mabrouk. Bienvenue à vous au grand rendez-vous et bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous avez occupé toutes les fonctions et les postes qui sont sous les feux des projecteurs en ce moment. Vous avez été président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale ministre de l'Intérieur, mais vous n'êtes pas qu'un ancien de la politique, vous êtes aujourd'hui aussi comédien. Peut-être que la carrière politique encourage parfois ce, ce genre de vocation, vous nous le direz. Ce dimanche, en tous les cas, nous allons prendre du recul sur une situation extrêmement compliquée dans notre pays pour évoquer l'état de la France, l'état du politique. Est-il définitivement... Décrédibiliser et comment redonner du souffle, surtout et de l'oxygène à notre démocratie et à notre cinquième République, dont votre père, Michel Debré, a construit sous l'autorité du général de Gaulle les fondamentaux, les bases. Est-elle encore adaptée aujourd'hui Pour vous interroger, Jean-Louis Debré, je salue mes camarades Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Dans notre vie politique, il y a toujours eu, Jean-Louis Debray, des moments de, de violence. Mais il y avait des personnages qui incarnaient euh, l'autorité et l'ordre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut représenter le parti de l'ordre. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il symbolise Qu'est-ce qu'il qu incarne pour le pays D'abord, si il y a très peu de périodes dans, dans l'histoire politique de la France, en tout cas depuis la guerre, mais même avant, où il n'y a pas un, de grands personnages qui émergent et qui structure la vie politique. On pouvait. Être contre et pas partager les idées de Mitterrand. Mitterrand dominait la gauche et la droite se déterminait par rapport. On pouvait ne pas approuver Chirac, mais Chirac dominait la droite. Je peux multiplier les exemples. Aujourd'hui, plus personne ne domine rien. Et le en même temps a tout cassé. Et donc on est dans une situation très particulière où il n'y a plus de leader. Et euh, où euh, la classe politique, me semble-t-il, n'a plus la culture du politique. Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel que Macron n'est pas à la hauteur de la fonction Ça ne vous a pas échappé. Euh, non, je considère qu'il n'exerce il, il pas la fonction de président de la République comme il faudrait aujourd'hui, dans des périodes d'inquiétude et d'angoisse, le faire. Pourquoi Pourquoi la démocratie, elle fonctionne c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais la démocratie ne peut fonctionner que s'il y a parallèlement à ça un dialogue social et qu'il y a euh, une, une façon d'avoir de, 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 avec ses adversaires un rapport. Or, pourquoi sur la réforme des retraites Pourquoi sur la réforme des retraites euh, D'abord, on a changé de système par rapport à ce qu'on proposait il y a quelques, euh, dans le premier euh, quinquennat. Deuxièmement. Pourquoi, depuis le mois de janvier jusqu'à hier ou avant-hier, il n'y a pas de dialogue avec les syndicats Ce que réfute hein, l'exécutif, vous avez vu, il y avait une réunion que, qui a été avortée hein, sur le perron de, de Matignon. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est un pouvoir euh, vertical, trop vertical euh, Je, peux, je pense qu'il y a une crise, non pas du politique, comme on l'en dit, il y a une crise euh, de la façon de gouverner. Mmh. Mais vous êtes là en même temps à tout brouiller. Qu'est-ce que vous entendez par là ben, Si vous voulez, quand on, on, on prône euh, le en même temps, en même temps à droite, en même temps à gauche, en même temps, euh, on est arrivé à un résultat fantastique, on a cassé la gauche et cassé la droite. Et quand on casse la gauche et qu'on casse la droite, où sont les oppositions aux extrêmes droite, extrêmes gauche C'est voulu Alors Je ne sais voulu. pas, c'est voulu, je crois que, euh, que c'est totalement irresponsable. Et. On veut construire une majorité. Comment est-ce qu'on construit cette majorité En faisant du débauchage. On n'a jamais dans l'histoire de la République gagné des élections ou gagné le cœur des Français en faisant du débauchage. Si on veut faire des alliances, on les fait sur un contrat qui est clair. Or, tout ça n'est pas clair. Ouais, C'est pas Mitterrand en 88. Il fait du débauchage et il arrive à gouverner. Euh... Il fait du débauchage de qui de, de centristes, de, de gens à droite. Et... Mais les centristes, ils sont là pour toujours, toujours être débauchés. <laughs> Bon, à bon entendeur. Il y a aussi la situation, on va revenir sur le, le pouvoir et l'exécutif, il y a la situation du pays Jean-Louis Debré, lors de la journée de mobilisation jeudi, les casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont attaqué aussi des agences bancaires, du mobilier urbain, le restaurant parisien, la rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en, en 2017. Sur quoi tout cela peut-il déboucher, selon vous Je ne sais pas. Ben, euh, je suis pas un grand clair. Je sais Simplement, quelle que soit l'issue des manifestations sur les retraites, le pays est profondément marqué. Marqué par un rejet des politiques, euh, un rejet euh, de la politique. Et c'est très grave, parce que dans un pays où euh, les femmes et les hommes ne se mobilisent pas pour soutenir la République, c'est un pays qui va à volo. Et donc je suis très inquiet, euh, je, je joue au théâtre, vous l'avez dit, je suis dans toute la France, je parle avec les gens. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une angoisse. Oui, mais vous l'avez connu. C'était la même chose sous Jacques non, Chirac, je, je, Nicolas Sarkozy. Il a, a toujours eu. Quelle différence, madame Il a toujours eu des. J'ai connu des périodes difficiles. J'ai connu, étant ministre de l'intérieur hein. euh, en 95. Oui. Mais il continuait à y avoir un dialogue social. Il y avait des manifestations. Il y avait les oppositions. Il y avait c'est le jeu démocratique. Mais euh, le lien social n'était jamais. En 1995, vous avez reculé. Euh, c'est ce qui s'est euh, passé. et voilà. Je pense, je pense qu'il y a un moment où on ne gouverne pas contre le peuple. Et -ce en ce moment, le gouvernement gouverne contre le peuple Le gouvernement gouverne contre le peuple. Mais il y a aussi Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a plus de dialogue. Euh... On a une, une réforme très difficile. On a utilisé la constitution. Parfait, c'est constitutionnel. Mais pourquoi pourquoi avoir voulu passer en force Pourquoi avoir utilisé le 472 Personne ne vous force à utiliser le 472. Et on a tout fait pour boucler tout. tout. Qu'est-ce que ça veut dire On passe pas contre un peuple. On passe avec le peuple. Jean -Louis On Bré, un peuple comprendre. ou une foule, parce que le président de la République fait la distinction, et d'ailleurs il fait aussi la distinction entre des manifestations tout à fait légitimes et des, et des casseurs. Je vous ramène encore une fois à cela, parce que vous avez connu la grève générale, vous avez connu des manifestations importantes. En tant que ministre de l'Intérieur, il y a aussi un vrai sujet presque immédiat, urgent de maintien de l'ordre aussi dans notre pays. C'est une question euh, qui n'est pas évidente. C'est un autre sujet. Le, le problème un... du maintien de l'ordre est quelque chose. Extrêmement difficile et j'admire tous ceux qui, euh, assis derrière un bureau, disent il n'y a faucon, etc. Ça, c'est difficile. Euh, je ne crois pas euh, aux violences policières. Vous ne parlez pas de cette expression, vous ne la reprenez je, pas que, je, je, mais Attention à toutes les généralisations. Il n'y a pas de violences policières et d'ailleurs, je suis très frappé quand on vient manifester à un endroit et que les manifestants ont des haches, euh, des bombes avec de l'acide, avec tout ce que vous voulez, ils viennent pas pour se promener ou pour crier euh, euh, vive la France. Non, ils viennent pour affronter. Donc il faut bien voir que le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. Alors il peut y avoir euh, des fonctionnaires de police. Qui dépassent leur rôle. Mais ça ils sont sanctionnés. Mais arrêtons, car en, en, en accréditant sans arrêt qu'il y a des violences policières, on est aussi en train de tuer les fondements de la démocratie. Alors, Gérald Darmanin, depuis une semaine environ, peut-être dix jours, met l'accent sur les violences des milices d'ultra-gauche. Est-ce que ça représente pour vous un véritable danger, ces milices d'ultra-gauche ce, Ceux qui présentent un danger pour la démocratie c'est celles et ceux qui profitent des légitimes manifestations des uns et des autres pour crier leur opposition à un projet pour casser pour briser et pour décrédibiliser les manifestants c'est ça le danger est-ce que vous utilisez est-ce que vous utilisez le même terme que Gérald Darmanin qui parle de terrorisme intellectuel euh, d'ultra non moi moi je t as, t as, le, depuis que la république existe j'entends parler du terrorisme intellectuel ceux qui emploient le mot terrorisme intellectuel, ils visent des gens qui ne pensent pas comme eux. Bon, je pense qu'il y a dans ce pays, comme en Europe, des hommes et des femmes qui sont fanatisés et qui veulent la révolution ou qui veulent la pagaille. Il faut les prendre voilà. au sérieux. Est-ce est pour est-ce qu'il faut les prendre au sérieux Est-ce que c'est une minorité et finalement non, mais Il faut toujours prendre. Ah, ou est-ce que c'est le principal danger non, de notre démocratie Il faut démocratie. prendre toujours au sérieux ceux qui portent atteinte ou qui veulent porter atteinte à la démocratie et euh, à la paix. Et comment, alors, on fait Parce qu'il y a, face à, à l'extrême violence, il y a une méthode, c'est l'extrême fermeté. Elle est incarnée par Gérald Darmanin. C'est pour ça qu'on vous pose la question ce dimanche, Jean-Luc Debré. Vous avez occupé ces fonctions à des moments extrêmement compliqués. Vous avez connu ces, ces polémiques aussi. Est-ce que vous vous dites, il faut une extrême fermeté Il faut l'assumer aujourd'hui. Mais il faut assumer la défense de l'état de droit L'état de droit, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la manifestation, c'est la grève, tout ça font partie de l'état de droit. Ceux qui sont les ultras euh, sont des gens qui portent atteinte au principe du droit de grève, au principe du droit de manifestation, parce qu'ils rendent ces moments démocratiques. Des moments dangereux. Vous disiez il y a quelques instants qu'aucune figure politique, pour l'instant, ne domine la scène politique. Mais est-ce qu'à gauche, on ne pourrait pas dire que Jean-Luc Mélenchon domine, pour l'instant, la gauche et est parvenu à poser un agenda qui est conflictuel avec. Eux? En fait, qui, qui pose une dimension conflictuelle dans le pays euh, cher, cher monsieur, euh, pour moi, euh, ni euh, l'extrême gauche, ni l'extrême droite, euh, c'est quelque chose qui me convienne. Une démocratie. Vous les mettez sur le même plan Une démocratie. Vous, vous mettez l'extrême gauche, Mélenchon Non. Une démocratie ne peut fonctionner qu'avec une droite républicaine et une gauche républicaine. On n'est pas content de la gauche républicaine, on va vers la droite républicaine. C'est ça, le et jeu. jean luc Mélenchon, c'est la gauche républicaine Ce n'est pas la gauche républicaine. C'est une gauche extrémiste. C'est une gauche euh, euh, qui, qui euh, euh, est dans l'outrance. Or, aujourd'hui, j'aimerais avoir des, des responsables politiques. Qui affirme des idées, qui affirme des principes, mais en dehors de la violence. On va continuer. Vous avez évoqué ensemble les violences en cours dans notre pays, et vous semblez un peu, alors, pessimiste ou lucide sur l'état du monde politique, Jean-Louis Debray Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont tous dans la confusion aujourd'hui Je ne sais pas, mais c est, c est, ce qui me frappe beaucoup, euh, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que euh, personne ne marche. Pourquoi Pourquoi personne ne marche parce qu'il n'y euh, euh, a plus d'idéologie, les idéologies sont mortes. Et moi qui parcours euh, le pays euh, euh, à, pour le théâtre, euh, je suis frappé de deux choses qui sont en train de... et qui, qui m'angoissent. C'est la disparition progressive du sentiment national, de l'union nationale. Oh, ce qui se passe à Paris, on s'en fout. Euh, la France, c'est une nation. C'est un rêve d'avenir partagé, comme disait Renan. Et là, on sent que euh, des, le local, le provincial, on ne prend le pas sur le national. Et deuxièmement, ce qui m'inquiète aussi, c'est le retour de la lutte des classes. On le sent partout. À l'occasion de, 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 de ces événements, à, 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 du fait que le politique N'a aucune réponse euh, Mais... intellectuelle euh, à ça, on a le sentiment euh, qu'on revient euh, 50 ans. Et et 15... Jean-Louis Debray, certains peuvent vous dire que la crise que l'on vit a des origines profondes, des racines profondes. Vous étiez aussi au pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer finalement ben, des années parfois euh, euh, oui. euh, Je, ceux qui sont, on n'a euh, pas écouté la crise, les elle est profonde. Oui. Euh, la crise, on voit, on voit très bien aussi combien l'Europe nous aurions dans une impasse. Euh, oui, la crise n'est pas nouvelle. Mais ceux qui sont au pouvoir sont responsables ah, de la crise. Donc là, ils sont et, contents et, de ce qui se passe. Et euh, le, ceux qui sont au pouvoir sont là maintenant depuis six ans. Or, depuis six ans, on a vu monter dans ce pays euh, une façon de diriger qui, qui passait sur tous les cadres... qui Bon, euh, une façon de concentrer le pouvoir. Alors que je vous rappelle, Donc, Macron a, a aggravé les choses. Selon vous. Mais je vous rappelle la Constitution. La Constitution dit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président de la République, il doit être celui qui permet de trouver des solutions en cas de crise, et c'est pour ça que c'est un vous, article très... – Vous avez, très... avez l'impression qu'il jette de l'huile sur le feu, qu'il aggrave les choses. – que, si vous voulez, aujourd'hui, on est, on est à la différence d'il y a 30 ans, 40, 40 ans, dans... dans euh, une politique spectacle. On est dans des, les politiques, sont dans des postures et euh, ils ne veulent plus discuter. Ils veulent, et donc, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les petites phrases, euh, on va à la télévision sur un, un point précis et on dit du mal d'un leader syndical. Tout, tout ça est absurde. Mais ça, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Le, le, J'allais dire, il faut le déplorer. Mais moi, j'ai l'impression, Jean-Louis Doré, à vous écouter ce matin, vous êtes en train de dire que. Certains politiques ont perdu le sens politique. On a des technocrates peut-être au pouvoir qui n'ont pas l'épaisseur qu'avaient certains responsables que vous avez connus. Les politiques ont perdu le sens du peuple. Une des réformes les plus absurdes de la Constitution a été de faire en sorte qu'un député ou un sénateur ne puisse. D'ailleurs, ça aboutit comme conséquence à ce que les jeunes filles et les jeunes gens préfèrent être maires d'une grande ville, président de communautés d'agglomération, de syndicats, plutôt que d'être députés ou sénateurs. Et donc, on a progressivement une technocratie politique qui fait qu'ils sont coupés. D'accord, mais c'est quoi écouter le peuple aujourd'hui C'est reculer, c'est mettre en pause la réforme des retraites Écouter le peuple, c'est d'abord euh, entendre. Euh, pour les élus, c'est d'être sur le terrain. Mais donc reculer oui. sur la réforme des retraites aujourd'hui, c'est ça Pardon Ce serait reculer sur la réforme des retraites. C'est ce que veut la majorité de, de dans les, dans les sondages. Moi, n'ai pas à dire. Vrai, mais, mais, euh, la, vous vous chose, voyez, si moi est au pouvoir, vous la retiriez la réforme ou pas Allez, je ne suis pas au pouvoir. Hum. Je pense que si j'étais, si j'avais été au pouvoir, hum. mais c'est facile. Et je méfie un peu de ceux qui disent il n'y a cap au con. Simplement, ce que je n'ai pas compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on utilise le 47-2 de la Constitution pour faire passer cette réforme aux forceps. Car on pensait, dans une analyse qui n'est pas bonne, que tout ça allait se calmer. Je pense que là, et, et d'ailleurs ça aurait pris les oppositions à contre-pied, mais on a tout le temps. Allez, on va discuter. Mais vous parlez d'une rupture avec le peuple. Ce n'est pas une rupture nouvelle pour vous, je devine. Si vous trouvez son point d'origine, qu'est-ce que, euh, qu que ce serait quoi La rupture avec le peuple, par exemple. Est-ce que ce serait 2005 un référendum et finalement le alors, résultat n'est pas respecté Est-ce que c'est plus récent dans l'histoire de, politique de France Non, je, je, je vous ai dit tout à l'heure que euh, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple pour le peuple et avec le peuple. La Constitution, la Constitution prévoit que lorsqu'il y a une crise politique, on a des outils ah ben pour lesquelles? résoudre la crise. Quels qu sont les ces outils qui sont prévus par la constitution dans l'article 19 mm -hmm. de la constitution le président de la République qui est garant du bon fonctionnement peut demander une seconde lecture de la loi il peut dissoudre l'Assemblée nationale il peut saisir le Conseil constitutionnel ou il peut procéder à un référendum les constituants de 1958 ont voulu en fonction de l'histoire de la 4e et de la 3e république Donner au chef de l'État, qui est la clé de de l'institution, le moyen de résoudre la crise. Or, aujourd'hui, j'ajouterai un troisième élément le dialogue social. On est dans une période de la communication. Vous êtes partout. Pourquoi, pourquoi avoir bloqué tout dialogue... De voulait... Jean-Louis Debré, quand même, sur les syndicats, il faut dire les choses, ils n'étaient pas du tout d'accord, ils ne le seront jamais sur la mesure d'âge qui reste le, le point euh, indépassable. À partir de là, c'est un grand théâtre social où personne ne veut s'entendre, y compris les syndicats. Il n'y a pas que la responsabilité du président. Non, mais quand on est au pouvoir, on fait en sorte, un, de ne pas brusquer les choses, on n'est pas à huit jours près, je suis désolé, la réforme des retraites, elle attend depuis longtemps. Deuxièmement, quand vous avez au gouvernement, lors du débat, un ministre qui dit, on examine le projet de loi sur la retraite, ah mais les femmes vont être sanctionnées. Alors on lui répond non, puis après on leur répond, ah mais oui, on ne s'était pas rendu compte. Et puis après on, on parle des 1200 euros. Alors on vous explique que ça va... Vous mmh. avez mal ficelé, on en, mal On a le sentiment que le pouvoir... Était tellement sûr de lui qu'il n'a pas travaillé. Oh mais il, faut, il faut être deux pour dialoguer. Euh, les syndicats, on n'a pas l'impression qu'ils ont envie aussi mais, de lâcher il, quoi que ce soit. Mais il fallait les mettre. Un, hein, il ne faut pas donner des prétextes aux autres. Or, quand j'entends des, des représentants syndicaux disant que depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu de dialogue entre le gouvernement, peut-être que sur l'indice des seniors, sur un, on pouvait améliorer les choses. Mais concrètement, le dialogue, ça voulait dire sacrifier le, le report de l'âge à la retraite C est, c est, on n'est pas à huit jours près. Mais concrètement, dans, dans le contexte présent, aujourd'hui, quelle forme ah bah Aujourd'hui, aujourd le... aujourd aujourd il faut sortir de la crise. Alors... — Donc, c'est pas un référendum Mais moi, je ne suis pas hostile au référendum. Je ne suis pas il hostile. Est favorable. Je ne suis pas hostile. Je ne suis pas au pouvoir. C'est très facile. Mais je crois qu'il faut sortir de la crise. Car même si elle s'apaise, euh, les conséquences vont être très... Très très lourde. D'abord parce que ça euh, alimente un anti-parlementarisme et l'anti-parlementarisme c'est un coup porté à la démocratie. Et deuxièmement, ça nous pousse vers des idées extrémistes qui sont pas bonnes pour la France. Il aurait fait un Jacques Chirac dans pareille situation, peut-être, peut-être que il aurait fait la même chose que pour le contrat de première embauche, le CPE en écoutant la rue. Et en et ne euh, n'appliquant pas, pas la réforme. Très bien, mais peut-être que cela. Est-ce que c'est cela qui fera calmer les images que l'on voit de violence, de, de tension On a l'impression aujourd'hui que même si cette réforme des retraites est mise sur pause, les fractures seront toujours aussi profondes mais, et euh, Justement, euh, quand euh, on a une fracture, il faut appeler le SAMU euh, pour vous soigner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer tout de suite l'après période, quelle que soit la décision du Conseil et quelle que soit euh, la suite. Comment euh, renouer un dialogue social J'ajoute que je suis très inquiet par autre, une autre pratique qui consiste à créer des états généraux à droite et à gauche pour des passer conventions les conventions citoyennes parce que euh, on veut passer derrière les représentants du peuple. Or euh, attention, attention à ne pas jouer le peuple contre ses représentants euh, s'il y a un endroit. Où on doit délibérer de toutes ces. C'est à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où on peut faire des réunions mixtes des députés et des sénateurs, mais on, on va tirer au sort. On, on vous joue sent. la démocratie. On vous sent en colère et inquiet Je me suis. Alors, en colère, oui, je suis. Mais la colère, c'est toujours très bon. Euh, ça permet de ne pas rester. Euh, mais l'inquiétude, euh, c'est quand même plus embêtant pour suis notre pays. Extrêmement préoccupé. Non. Vous nous dites il faut respecter les représentants du peuple. Oui Est-ce que ça implique aussi pour vous respecter ce que vous appelez les extrêmes et qui représentent beaucoup de gens de l'Assemblée à droite et à gauche Alors, moi, une Il faut question... accepter de leur parler. Ils sont dans le périmètre républicain. Alors, moi, je suis désolé. Mais à partir du moment où vous êtes élu par le peuple, à partir du moment où vous siégez à l'Assemblée nationale, chaque député représente une partie de la remont... de la... du sentiment national, de la représentation. Donc, on doit respecter tout le monde. Et le, specta oh, le pas spectacle qu'a donné oh, les filles là pendant le débat sur les retraites, vous pensez que c'est acceptable le, le, le spectacle qu'a donné la France Insoumise pendant le débat sur mais les retraites. Monsieur, mais, mais reprenons l'histoire de l'Assemblée nationale. Vous savez quel débat a été le plus violent dans notre histoire C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Souvenez-vous du débat sur euh, l'interruption volontaire de grossesse où Simone Veil a été traitée d'assassin pratiquement tous les jours. Souvenez-vous. Euh, du débat sur euh, euh, le, euh, le mariage pour tous. Donc le cirque de l'Élysée, c'est pas très, pas très grave. C'est toujours. Euh, et, et il est bon que les oppositions s'expriment à l'Assemblée nationale. Quel que soit le niveau, quel que soit ce qui est fait. Vous dites qu'il y a la bordélisation de l'Assemblée nationale, ça a toujours Mais existé. Pas, a les gens. Je préfère qu'ils s'expriment à l'Assemblée nationale que dans la rue. Oui. Mais parfois, il peut y avoir euh, un trait d'ignon. C'est ce que dénonce euh, le ministre de l'Intérieur. Les... Ah. Ça manque un peu de tact. Mais écoutez, aujourd'hui. Plus que jamais, la politique est un métier du spectacle. Bon, alors l'Assemblée nationale, et justement, Jean-Louis Debré, il n'y a, a pas de majorité absolue. Le président dispose au Parlement d'une majorité relative. Dans de telles circonstances, comment gouverner Est-ce qu'il faut se dire, ben, il faut gouverner différemment, puisque les circonstances euh, sont ainsi et Il faut gouverner euh, avec l'Assemblée nationale. Il faut faire un effort, lorsqu'on a un projet, de, de discuter avec... Euh, euh, les députés, c'est le lot de toutes les démocraties pour ceux qui sont au pouvoir de convaincre et de convaincre les élus du peuple du de, de bien fondé de leur projet. Emmanuel Macron a toujours d'abord parlé à, à son électorat. Est-ce que vous estimez qu'il continue à le faire seulement à, à son électorat Mais, mais c'est ce qui est très frappant euh, dans, dans ces événements que l'on retrouve. Regardez les sondages 70% des Français refusent euh, la réforme des retraites 29% 30% l'approuvent. Au premier tour des élections présidentielles dernières, quel était le score de Macron 28%. Donc son électorat ne bouge pas. — Donc il reviendra jamais en arrière <laughs> sur, sur la réforme euh, si, des retraites s'il a... parle à son électorat non, ça, et que... — Le problème aujourd'hui, c'est pas de revenir en arrière. C'est qu'il termine les 4 ans qui lui puisque puisqu'il ne peut plus se représenter... Est-ce qu'il a, a la légitimité pour conduire cette réforme Vous dites 28%. ce 28%. Qu Est-ce qu'on est qu a la légitimité pour conduire une réforme aussi difficile quand on s'appuie sur 28% d'électeurs Il y a deux façons de répondre. Oui, au point de vue institutionnel, il a été élu, il a la légitimité. Mais aujourd'hui, compte tenu euh, des médias, de la politique est un métier de spectacle, il y a une deuxième légitimité en dehors de la légitimité démocratique, c'est ce dialogue avec le peuple. Or, aujourd'hui, le sentiment qu'ont les Français, c'est que euh, le président de la République ne les écoute pas. Vous dites souvent le mot dialogue, dialogue, mais qu'entendez-vous politiquement par dialogue Qu'est-ce que ça peut, peut vouloir dire ça veut dire qu'on voit régulièrement les, les, les différentes organisations professionnelles, syndicales, on, on essaye de, de construire avec elles un certain nombre de réformes, on essaye de, leur, de les écouter. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de votre avis que forcément c'est mauvais. Et puis, il faut demander à, à chacun de ces députés qui sont hors sol d'être dans leur circonscription. Mais oui, mais jean vous dites, est-ce que, est que vous ne faites pas partie d'un monde qui, qui pardonnez-moi, mais qui n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de députés-maires, il n'y a plus de sénateurs-maires Et c'était avant un contact privilégié, finalement, avec les mais Français. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des technocrates, des, des, des élus déracinés. Et comment reprendre euh, voilà, le madame, contact avec eux euh, Je ne cesse de dire que depuis quelques années, on n'a fait qu'abîmer les institutions de la Ve République. Euh, on veut maintenant les casser complètement. Euh, je pense que euh, même si vous n'avez pas de mandat, il faut essayer. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis six ans, le parti du président de la République, LRM Renaissance, ne s'est pas implanté dans les territoires. Comment il vous l'expliquez C'est intrinsèque euh... Et Je ne sais pas. Parce que parce qu ont, c est, c est, ceux qui sont là sont des gens qui n'ont. Aucun contact avec l'opinion publique, aucun contact avec le peuple, qui ont été élus sur une vague. En politique, il ne faut pas être élu, il faut être réélu. Ils ont été réélus, là, ils ont été... Et donc recondus, ils, sont, ils sont là, et ils sont dans, dans un profond euh, sentiment de supériorité. Ils savent, et moi je trouve, je ne sais pas leur niveau intellectuel, hein, moi je suis un, un petit, une, oui. que qu'ils euh, ne savent rien. Ils mais ne non, connaissent pas. Jean-Louis Debré, il doit être bien seul, le président de la République. Là, vous décrivez quand même une majorité qui est déracinée. On a bien compris qu'Élisabeth Borne, pour vous, n'a pas. avec, euh, Elle fait son travail, mais n'a pas l'épaisseur, disons, euh, politique, euh, peut-être d'anciens de, de, responsables que, que vous avez connus. Alors, un président de la République, comme ça, tout seul, au manette du pays mais Il a qu'à s'en prendre qu'à lui. C'est pas ben moi qui suis responsable. Quand on, on est dans une période difficile. Euh, on nomme des ministres politiques. La politique, c'est un métier, ça s'apprend. Est-ce que vous diriez, de ce point de vue, si on regarde ça du point de vue des oppositions, que Marine Le Pen, plusieurs considèrent qu'elle est en ascension en ce moment, est-ce que Marine Le Pen, dans les circonstances, elle fait de la politique Mais elle fait de la politique, mais c'est pas ma politique. C'est bien. bien compris. Mais finalement, les vraies et, politiques et, sont et dans l'opposition plus qu'au pouvoir et, en ce et moment. Et ce qui, qui m'attriste et qui m'inquiète et qui m'angoisse, c'est que celles et ceux qui devrait faire de la politique et qui devrait essayer de rassembler qui devrait parler qui devrait euh, ne le font pas et laisse à d'autres le soin de faire de la ouais. politique. Il y a un horizon, il y a une date, c'est le 14 avril euh, avec la décision du Conseil constitutionnel qui sera aussi une décision politique de fait. Non attendez. Juridique. Remettons les choses au point. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour rendre des services. Il ne juge pas en opportunité. Il doit dire le droit. C'est clair. Par conséquent. Il le fait dans un contexte particulier. Il le fait dans un contexte mais social infernal. Toute grande droit. saisine du Conseil constitutionnel est toujours dans un contexte particulier. Euh, parce que s'il est saisi, c'est qu'il y, y a les oppositions. Là, elle est particulièrement grande. Donc, euh, attention. Je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel, mais encore une fois, il prend ses décisions il doit les fonder en droit. Et le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de rendre service à qui que ce soit, mais à dire si la Constitution a été. On oh, a besoin de le rappeler qu'il ne rend pas service. Vous pensez que là, à l'aune de sa décision, non, on va tous analyser. J'entends euh, sera... beaucoup de gens qui disent il va faire ça, il va faire ça. Attention, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il doit faire et il doit le faire par et le et droit vous... et grâce au droit, parce qu'il y a quelque chose qui tient encore en France, c'est l'état de droit. Et vous dites qu'il va se prononcer sur le droit. Euh, les griefs qui sont formulés par les différentes oppositions, vous les avez vus, vous les avez entendus, euh, est-ce qu'ils vous paraissent fondés Est-ce que sur, sur le texte, le projet de loi vous paraît fragile d'un point de vue constitutionnel savez, Je ne suis pas un spécialiste. Euh, vous êtes juriste, Il euh, euh, y a plusieurs questions qui se posent. La première question, c'est la question du véhicule législatif. Est-ce qu'on peut faire une réforme des retraites en utilisant une loi de finances pour la sécurité totale rectificative, c'est-à-dire une loi qui modifie. Ça, c'est une question. Alors, il paraît que dans la loi, il y a des dispositions qui pourraient s'appliquer tout de suite. Ça, c'est une première question. Est-ce que le véhicule législatif est le bon véhicule mais, oui ou non Mais permettez une question politique. Si, si le, conseil, le Conseil constitutionnel remettait en question, ne serait-ce qu'un aspect de la réforme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, de votre point de vue, pour Emmanuel Macron, de rebrasser les cartes et de recréer le dialogue Ch dont vous parlez Ch Cher monsieur, je vais finir, mais je, je voulais en arriver là, car l'important sera l'interprétation de la décision, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, alors, il y a ce qu'on appelle les cavaliers. C'est une jurisprudence que je connais bien, que j'avais appliquée pour les lois de finances. Est-ce qu'un certain nombre de dispositions, oui ou non, se trouvent leur place dans cette loi de financement de la sécurité sociale rectificative Ça, c'est une décision. Mais l'important, c'est l'interprétation que l'on va donner. Alors, tout le monde va dire qu'il a gagné. Je pense que quand on est au pouvoir, ça doit être l'occasion de retendre la main. De retendre la main et de dire, bah écoutez, voilà, euh, on va, on va, le Conseil constitutionnel me fait un certain nombre d'observations, remet remettons-nous autour de la table et rediscutons. Vous Imaginons juste l'hypothèse d'un texte qui serait jugé entièrement anticonstitutionnel. Ce serait un coup de tonnerre. Vous, vous l'imaginez euh, Vous savez, tout est au point où j'en suis, j'imagine tout. Il euh, y a eu une fois dans l'histoire euh, du Conseil constitutionnel où on a annulé... Toute une loi. Tout une loi. Mmh. Mais euh, je pense qu'il sera plus vraisemblable euh, que le Conseil va... Parce qu'il faut répondre aux moyens invoqués par les requérants. Mmh. Et donc, point par point, il va répondre à... Et sur la, sur la procédure, vous en parliez, vous disiez que c'était le premier point. Alors, vous, la procédure, est-ce qu'elle vous, est qu vous paraît euh, très contestable C'est ces deux choses, entre le constitutionnel et la politique. Mmh. Le constitutionnel... Il n'y a rien à dire. Le 47.2 peut être utilisé. Et pour les lois de financement rectificatif de la sécurité sociale, on peut utiliser le 49.3. Donc, au point de vue constitutionnel, moi, je parlais au niveau politique. Quand vous avez euh, des difficultés, ne cherchons, c'est une pratique, je connais un peu l'Assemblée nationale, euh, ne cherchons jamais à brusquer les choses. Il faut discuter et il faut prendre du temps. C'est vrai que pour une majorité de Français qui est opposée à la réforme des retraites, cette même majorité de Français est opposée aux violences qui sont en cours dans notre pays. On a vu des scènes de chaos, et pas seulement dans la, dans la capitale à Paris, dans, dans plusieurs villes de France. Et vous entendez, Jean-Louis Debris, cette petite musique. Certains affirment qu'il n'y a pas de violence légitime, que l'État n'a plus, justement, le monopole de la violence légitime. Comment répondre à cela Je suis très inquiet de, de, de toute cette petite musique, parce qu'en réalité, ça veut aboutir à, à, à paralyser la police. La police, qu'est-ce qu'elle fait Elle maintient l'état de droit. Et elle maintient contre des, des, des femmes et des hommes qui veulent casser l'état de droit. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on vient manifester, euh, et le droit de manifester est légitime, avec de l'acide, avec des pierres, avec des haches, on ne vient pas... Pour manifester dans le cadre de l'état de droit, on vient pour provoquer la police et pour mettre en cause l'état de droit. Beaucoup de nos euh, concitoyens s'interrogent comment se fait-il justement avec ces armes, ce sont des armes hein, que vous décrivez, qu'ils soient encore présents et qu'ils soient. Certains disent que ce n'est pas possible, on les laisse faire, cette extrême gauche dans, dans la rue. Est-ce que certains jouent le pourrissement aujourd'hui J'entends. J'entends. Euh, euh, J'entends des choses. Euh, je n'ai pas, pas de réponse. Euh, euh, oui, je, me suis, réponse, je, je, je me suis, je me suis interrogé, je me suis interrogé beaucoup sur le fait qu'on ait accepté euh, qu'une qu manifestation ait lieu de la nation à l'opéra, c'est-à-dire près de l'Elysée, euh, près de l'Assemblée nationale. Il y a quand même des parcours qu'il faut essayer d'éviter, car on sait que ça génère euh, des difficultés pour le maintien de l'ordre. Je sais que. Parce que c'est une tradition de notre histoire, celles et ceux qui sont au pouvoir veulent incarner l'ordre par rapport au désordre. Euh, je pense que le débat n'est plus là. Je pense que le débat aujourd'hui, il est de ressouder les Français de faire en sorte oui. que Alors, le dialogue mais reprenne. Vous avez été le compagnon politique de Jacques Chirac, qui parlait de fracture sociale. Et on préfère depuis 1995 une longue histoire d'une fracture sociale qui ne cesse de s'aggraver. Alors, à l'échelle de l'histoire, vous qui êtes un gaulliste, par ailleurs, un homme attaché à la Ve République, que veut dire aujourd'hui ressouder la nation quand la fracture sociale, s'écrit, se déploie depuis près de 30 ans Oui, mais euh, la fracture sociale ne, ne s'est fait que s'aggraver. Euh, je ne suis pas un spécialiste. Mais quand on demande, euh, euh, d'abord, on, on est dans une période d'inflation, euh, une période où les gens ne savent pas comment ils vont finir euh, leur mois euh, et euh, que euh, euh, toutes ces difficultés et qu'on voit euh, euh, et qu'on vante euh, ces milliardaires qui gagnent des fortunes et qu'on ne leur demande pas d'une contribution. Et encore une fois, je ne veux pas me placer au vue technique, etc. Mais quand vous êtes Devant vos écrans de télévision et que vous voyez un certain nombre de richesses étalées, vous vous interrogez sur la légitimité de cette société. Faisons attention par rapport à il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, tout est public, tout est présenté. Moi, je, je me branche tant temps temps sur les réseaux sociaux, mais cette lutte des classes dont je parlais tout à l'heure, qui est la conséquence d'une fracture sociale, elle est en train de s'aggraver parce qu'on ne comprend pas. Alors, alors, avec un risque par rapport euh, aux classes moyennes, aux classes populaires, peut-être de disparaître. Et on sait, en tous mais, les cas, euh, dans un pays, quand il y a moins, justement, une classe populaire et moyenne moins représentée, c'est un vrai danger. Mais le, 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 la fracture sociale aujourd'hui est de plus en plus grave car elle touche d'abord les classes moyennes. Or, euh, un certain nombre de classes... De, de, Surtout en province, mais beaucoup en province pour le théâtre, et je le vois. Et il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'on ben, n'y arrive plus, et qu'il y, y a 20 ans, il y arrivait. Ce que je veux dire, et c'est sentiments sentiment qu'ont les Français il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise de l'hôpital, il y a une crise de l'école, il y a une. Y a... C'est connaît... que les Comment, comment est-ce qu'on en sort, Jean-Louis Debré, de cette situation que vous décrivez là Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour refaire Mais, nation euh, pour, euh... Je pense, Encore une fois, je reviens. De, euh, parce qu'en termes politiques, c'est essentiel que la classe politique donne le sentiment, non pas d'être enfermée dans ses vérités. Vous savez ce que disait euh, Anatole France Heureux okay. ceux qui n'ont qu'une vérité. Est-ce qu'ils ont encore les manettes est-ce qu'ils ont encore... Vous parlez de responsables politiques comme s'ils si ils pouvaient résoudre tous ces grands mots euh, MAUX, crise de l'hôpital, crise de l'école, etc. Mais est-ce qu'on a encore la possibilité, en gouvernant tel qu'on le gouverne aujourd'hui, en 2023, de résoudre de telles crises aussi profondes, structurelles dans notre pays je pense. Si, si on n'a pas euh, la politique, c'est d'être volontaire. Et je suis frappé de voir que, de, en ce qui concerne l'hôpital, depuis six ans, tout se dégrade. Alors il y a eu le Covid, alors là on a monté, mais on ne fait rien depuis. On ne fait mais, rien L'école, l'école, l'école de la République. Mais alors ça, c'est plus urgent que la réforme des retraites, peut-être. Mais, bah, mais c'est ce que disent les Français. c'est ce que vous dites aussi Mais c'est ce que je dis. Écoutez. Avant de, de, de s'en prendre à, au problème des retraites, il n'est pas à huit jours près, ça, Bon, Avant de s'en prendre ça, commençons par rassurer les Français sur euh, l'avenir de l'école, sur euh, l'avenir de l'hôpital. Parce que ça touche leur vie Mais quotidienne. Soyons clair, vous nous, vous nous vous l'avez dit depuis le début, vous n'êtes pas au pouvoir en ce moment. Très bien. Ça ne vous a pas échappé. Ça ça n a pas échappé. Vous Mais Merci. cela dit, vous avez aussi manifestement un avis sur la sortie de crise possible. Est-ce que très clairement, la voie de sortie, ce n'est pas retirer cette... Cette loi dans les circonstances. De et votre je, point de vue, je ne vais, vais pas vous répondre à cette question. Et pourtant il faudrait. Non, parce qu'on voit <laughs> immédiatement, tel que je connais le monde du l'audiovisuel, 10 ans de le retour de la retraite à la forme. Je dis simplement. Je dis simplement, ça c'est une interprétation qui n'est pas fausse. Euh, <laughs> on y, on y je, voilà. je, je dis <laughs> simplement que ce qui m'inquiète, c'est pas la réforme des retraites, c'est la façon de l'avoir amenée, et alors que les Français ont d'autres inquiétudes et d'angoisses. Et que le pouvoir aurait dû entendre, comprendre que euh, les classes moyennes, dans, dans les communes, je, je vois dans la région qui, où j'étais député longtemps, Évreux, il y, y a quand même des interrogations. Alors, à, vous sur... à vous écouter, ça sera, il ne sera jamais temps de faire ce genre de réforme difficile. Euh... Mais non. Que, et pour il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et que quand vous voulez faire une réforme des retraites euh, qui naturellement euh, pose des problèmes. Eh bien, il faut en for en sorte bien. de rassurer sur les autres. Alors, alors peut-être que la question, il faut la poser différemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore capable? de tenir ce rôle de père de la nation, de rassurer. Il reste encore quand même quatre ans. Quatre ans, c'est long. Hein, je ne sais pas, dit. je ne le connais pas. mais Moi, je ne connais pas. Euh... Oui, là, je, moi, je connais pas. Vous ne le connaissez pas, je ne vous, vous demande pas personnellement. Non, je le vois à la télévision, on t'entend oui, quand il par, va à la rotonde. Par, par, par votre expérience politique, est-ce que vous diriez qu'il est capable de changer, de se transformer pour gouverner différemment Je, je l'espère. Sinon eh, Sinon, on, on, tout ça, tout ce qu'on vit actuellement, plus euh, l'inflation, euh, l'économie qui appelle 3 000 milliards de dettes. 3 000 oui, milliards mais, mais de dettes. Mais c'est pour ça qu'on nous dit qu'on fait la réforme des retraites. Non, mais attendez. Euh, oui, euh, oui. Euh, oui mais on fait la des retraite, retraites. Et il y a 18 mois, chaque fois que le président de la République sortait de l'Élysée, il sortait avec un carnet de chèque. comment mais, pour qui, les, 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 les Français, les Français qui regardent, ils ne sont pas idiots. On voit que pendant un an, chaque fois qu'on sortait, c'était des échecs des chèques, des chèques, des, chèques, des, chèques, des chèques. Parfait Et puis, 3 000 milliards de... Ah, c'est dramatique Eh bien, on va euh, faire une réforme des retraites. Soyons logiques. Encore une fois, on vit dans un monde qui est un monde difficile, qui est un monde de violence. Le pouvoir... Il doit donner le sentiment que et sur les questions essentielles, il y a les Français. C'est essentiel. On lui devrait d'abord c'est notre, notre peuple et la nation. Mais on est regardé par les autres pays en Europe. Que diraient certains si le président recule Pays réformable, le président incapable mais de mener la réforme. ce que disent les autres, réforme. je m'en fous. Ah bon, même l'Europe, même Bruxelles. Mais attendez, Bruxelles, bien souvent, il nous a amenés dans des situations qui sont des situations. Euh, qui ont euh, mis l'économie et le social en grande difficulté. Par conséquent, euh, et puis Bruxelles, il ferait mieux d'avoir un peu moins de technocrates. Car quand on voit euh, et, et interroger les élus de base, toutes les circulaires, les lois, les trucs qui nous viennent de Bruxelles, on ne sait plus où on en est. Et on a créé un monde qui est un monde fou, complètement dingue. Et euh, ce monde complètement dingue, ben les Français, ils sont inquiets. Alors, peu importe ce que dit le monde. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que disaient les Français. Ce qui m'importe, c'est qu'on retrouve un sentiment d'unité générale, qu'on retrouve cette espérance de vivre ensemble. il être un roi fainéant pour retrouver cette Mais c'est pas un roi fainéant. Mais vous tombez, vous tombez dans dans le langage. Mais oui, je sais bien, je sais bien. Je pense qu'il y a des priorités. Et que la priorité, quand on veut faire passer quelque chose de difficile, c'est de montrer qu'on est à l'écoute. Jacques Chirac, une fois qu'il retire le CPE, il ne se passe plus rien dans son quinquennat. C'est euh, terminé. Euh, et Emmanuel Macron, et ce Macron, sera pareil. S'il retire la réforme des retraites, il ne pourra mais, plus rien faire. Euh, laissons Chirac là où il est. Euh, chaque époque est différente. Je pense qu'il y a. Nous avons quatre ans. Quatre ans pour euh, remettre le pays dans le droit chemin. Quatre ans pour écouter les Français, quatre ans pour avoir enfin une vraie politique à l'égard de l'hospitalisation privée, une vraie politique à l'égard de l'école, de l'école, l'école de la République. Mais on ne fait rien. En conclusion, euh, une question. Moi, Finalement, le, grand manda, le, le, le mandat d'Emmanuel Macron, de son deuxième quinquennat, c'est peut-être moins un, un mandat de réforme des retraites qu'un mandat de réconciliation des Français Je pense. Je, mais je pense qu'il n'y a, a pas de politique avec un peuple qui est opposé et un peuple qui n'est pas réconcilié. Et que la grande mission des femmes et des hommes qui sont au pouvoir, quelle que soit leur appartenance politique, c'est de réconcilier. Et d'avoir une légitimité qui est la légitimité qui vient du suffrage, mais aussi la légitimité qui vient du sentiment eh bien, populaire. Voilà la conclusion et la parole d'un sage aujourd'hui. Alors, oui, en tant que je ne suis plus sage. <laughs> C'était ça qu'il faut en politique. Merci Jean-Louis Debré d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. Merci à vous, messieurs. Très, très bon dimanche en notre compagnie, je l'espère, et à très bientôt.